Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une crème caramel au beurre salé, une sauce qui accompagne pas mal de desserts, comme des crêpes, des brownies, des îles flottantes, etc. Une recette très simple, très facile. Donc, c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients de notre caramel au beurre salé, on aura besoin de 160 g de sucre, 80 g de beurre et 20 cl de crème liquide, une pincée de sel. Dans une casserole, on va mettre le sucre et on va le chauffer sur un feu moyen pour obtenir un caramel à sec. Après quelques minutes, on va constater que le sucre va commencer à se dissoudre. Il va devenir liquide, puis se transformer en un liquide marron de couleur ambre. Cette opération va durer entre 3 et 5 minutes. Entre temps, dans une autre casserole, on va chauffer la crème liquide. Là, notre crème, elle commence à bouillir. On va retirer du feu et on va laisser de côté. On va la réserver. Là, après 5 minutes, on voit que le sucre, il est transformé en caramel. On va le retirer la casserole du feu et on va ajouter délicatement une petite partie de crème. Dans cette étape, il faut faire attention parce qu'il y aura des projections de crème. On ne va pas arrêter de remuer. Là, il a une très belle couleur. Et on va rajouter petit à petit le beurre en morceaux. Je vais rajouter une pincée de sel. Et on va continuer à remuer. Donc là, on constate qu'on a obtenu une sauce crémeuse. On va débarrasser dans un récipient et on va laisser refroidir. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a été utile. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Merci à vous et à très bientôt.